Bonjour à tous, Hervé Matou en compagnie de Franck Sauzet pour vous commenter ce match. Bonjour Hervé. C'est le coup d'envoi. Une rencontre qui sera arbitrée par Monsieur Sergueï Pipotkin. Le match est lancé. Oui, joli 1-2. Ah, le gardien qui va pouvoir se dégager après cette sortie de but. Hors-jeu, hors-jeu, signalé hors-jeu, et la défense qui a eu très chaud. France qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Ouais, il va falloir s'appliquer sur ce corner. À la volée peut-être. Oh là, pas de problème pour le gardien. Non, pas de problème, effectivement. Il a frappé le ballon du bas vers le haut. Dans ces conditions, c'est difficile de cadrer. La passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Ouais, ça peut peut-être aller au bout. Attention! Ah, difficile dans ces conditions de bien jouer au ballon avec cette pelouse. Il faut rebond au plus mauvais moment, Hervé. Oh, c'est bien parti! Oh oui, ça rentre!
Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Et ouais, le ballon qui circule bien. Un beau duel en perspective. Et il lui redonne. Attention à la réception de ce centre. Un contré. Ce sera un corner. Il tacle, qui sera le premier sur le ballon? Ah, ce sera une touche. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. L'entraîneur qui procède à un changement donc. Attendez, c'est la passe à 10 en ce moment. Ah oui, la talonnade. Ah, il ne peut maîtriser ce ballon. La défense qui récupère. Oh, que c'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Ah, le ballon qui sort en touche à proximité du poteau de corner. Un centre est contré. Ah, il ne peut empêcher le ballon de sortir. Allez, on va voir ce que ça va donner ce corner. Et le duel. Oh, il se trouve bien. La frappe. Ouais, le gardien, c'est pas fini.
Et voilà, déjà 45 minutes dans ce match, un petit but simplement 1-0. Eh bien, ce n'est pas trop le scénario auquel on s'attendait, hein. C'est un peu la surprise. Oui, c'est surprenant de voir cette équipe non seulement résister, mais mener à la marque. Alors attention à ne pas se griser quand même, hein. Il reste encore 45 minutes à venir. La seconde période qui reprend à l'instant. Oh, belle passe et du talon. Oh, il repousse, ça joue. Et la voilà, la frappe. Et le ballon au fond du filet, les voilà qui reviennent dans la course. Elle va pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois ralenti. Le gardien qui est un peu malheureux, hein, sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Bonne récupération au milieu de terrain. Ça s'approche. Le centre dans la surface de réparation. Et c'est le gardien qui s'interpose cette fois. Ouais, c'était la balle du doublé, hein, pour lui, mais il vient buter sur le gardien. Oh, la défense a eu chaud sur ce coup-là. Et le gardien, eh bien, il veillait, heureusement. Ah ouais, il y a faute là, c'est évident. Le gardien va pouvoir se dégager. De l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Ouais, faute et coup franc bien placé. Ouais, il commet bien une faute sur ce tacle glissé. Et le joueur s'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. On voit que son système ne fonctionne pas. Alors il change. En tout cas, c'est tout pour la gagne maintenant, clairement. Oh, ça va rentrer! Oh, le but qui leur permet de passer devant le score! Ah, on voit bien le caviar, hein, qui est donné sur ce but. Non, vous avez raison, Hervé. Il est servi dans des conditions mais idéales. Le plus dur était fait. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1.
Oh, s'il passe le gardien, il y aura but. C'est ballon qui file jusqu'au gardien. Et cette action n'ira pas plus loin. Le gardien s'empare du ballon. C'est un petit peu trop fort en effet. C'est dégagé. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Clairement, l'entraîneur n'a qu'une idée en tête. Préserver ce résultat favorable, d'où ce changement tactique. En 1-2. Oh, la tête. Attention, c'est pas terminé, ça joue. Il reprend de la tête. Un arrêt net du gardien, pas de souci. Ah, dommage, cette passe qui file en touche. Oh, c'est bien parti. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Ah oui, parce qu'il se dit là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. Mais avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Passe par l'aile. Hors jeu, il est parti trop tôt. Ou le ballon a été donné trop tard. Allez, vont jouer la touche. Ouais, le tacle glissé. Et ouais, le ballon qui circule bien. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. On va souffler un petit peu avec cette touche. Oh là là, il a vraiment cassé une occasion importante là. Oh qu'il est important ce ballon, oh qu'il est important. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs, il pousse dans ces dernières minutes, il peut y avoir le feu. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment. La passe parfaitement dosée.
Les deux joueurs à la lutte. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Un tout droit avant le bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Pas évident ce hors-jeu. Oula, ça a dû se jouer à quelques centimètres. Et vous venez de l'entendre, c'est la fin de la partie. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. Ah, quel match, Franck. On ne s'attendait pas à voir une aussi belle résistance de leur part. Ben oui, hein, ils ont longtemps fait jeu égal avec leurs adversaires. Certes, ça n'a pas suffi, mais au moins, ils n'ont rien à regretter. Hein. Ils ne se sont pas contentés d'admirer l'adversaire. C'est peut-être ça, l'un des principaux enseignements de cette rencontre. Merci à vous derrière vos écrans. Merci à vous, Franck, pour votre analyse. Je vous dis à très bientôt. Thank you.